Nah, nah, nah.
dans le jeu. Et je vais rentrer dans la peau du personnage. J'essaierai de vous répondre comme je le peux, puisque je suis déstabilisé lorsque j'utilise le chat vocal par touche. Donc j'essaierai de vous envoyer un petit message sur le chat dès que j'en aurai l'occasion. Voilà. En tout cas, j'espère que... je me répète, désolé, hein. J'espère que cela vous plaira. Et que l'histoire de notre bon vieux James saura vous faire apprécier plus autant que je l'apprécie déjà le RP. Alors, un petit instant. Que je fasse deux petites choses rapides. Tac, tac. Ok, on est parti. Je réactive mon microphone et on est parti pour une session de farm. Let's go! Ok, alors finalement j'ai mis le chat par touche. Donc je pense que ouais, ça sera plus pratique pour communiquer avec vous, je pense. Que de devoir sortir mon portable où se situe le chat et que je vous réponde directement à l'oral. Ce sera bien plus simple, je trouve. Sinon, je vais me répéter, hein, mais comment ça se passe? Je vais peut-être manger moi un coup. Alors, il faut que j'aille chercher mon véhicule d'entreprise. Et on va se faire cette petite session de farm tranquille. Bah, tout de suite. Hop. Je récupère ma manette pour pouvoir conduire. Et on est parti. Parfait. Alors on est parti. Allons récolter du raisin. On va se mettre sur cette vigne-ci. Puis on va récolter. Hop. Tac tac. Ouais, trouvé. Ok. Alors, je vais nous mettre une petite musique. Préférence pas trop forte. Est-ce que sur le chat, je remets le jeu. Est-ce que sur le chat, le son du jeu, est-ce que vous l'entendez le son du jeu? Je peux voir à l'augmenter, si possible.
le mettre. On va le mettre comme ça. Je pense que ça ira. Et puis, je vais nous mettre une petite musique bien sympathique. Non, ça c'est pas une Pour musique vous annoncer. sympathique. Ok. Ça c'est une publicité. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Ah là. Alors, je vais baisser un peu le son de la musique. Alors du coup, bon, petite session de farm sur le coup, j'ai entre gros guillemets pas grand chose à vous dire. Sauf que si, enfin j'essaierai de stream un peu plus souvent, surtout sur ce personnage, enfin sur le RP en général, je veux dire. On est tranquille, on est tranquille. La musique est déjà finie. Normalement, ça devrait être peut-être un peu mieux du dernier live, hein. Par rapport au bug de texture, bug de texture ou lag. Normalement, sur le RP, ça devrait être tout bon. Ah, j'ai fini de récolter du raisin. Correct. Allez, on est reparti. On s'écarte. Voilà. Et on est reparti. Bon, bah on va juste passer
une heure et demie, 2 heures à à faire que du farm. Bien se faire un peu d'argent. Tiens, j'y pense, je peux percevoir l'appel de quelqu'un à moi. La personne est présente. Ça te dérange pas, je vais. Non, je peux couper la musique tout court. Puis je vais appeler. La personne. C'était pourquoi déjà qu'on voulait m'appeler, j'ai oublié. Oui, allô, c'est Monsieur Mackenzie du Vignoble. Quand... Oui. Allô. Ah putain. Oui, allô, allô, allô. Oui, allô. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? C'est Monsieur Mackenzie du Vignoble, vous avez essayé de me contacter? Ah non. Ah, j'ai. Vous vous trompez? J'ai reçu un message de votre part. Ah bon, je vous ai dit quoi? Vous m'aviez parlé de Jaden qui dirigeait. Mon ancien employé qui dirigeait le bar. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Excusez-moi, ça dû. J'ai pris une balle hier avec le décalage et puis le mon séjour à l'hôpital. Je suis trompé de contact. Je suis désolé, monsieur. Pas de souci, pas de souci. Alors vous m'entendez? Oui, pas de souci, pas de souci. Oui. Vous avez corrigé vos prix ou c'est toujours les mêmes? On est en train de les corriger justement. C'est censé être bon dans la semaine. Bah vous n'hésitez pas à me rappeler quand vous avez mis les prix, d'accord? Pas de souci, ça sera fait. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Putain, j'avais oublié que j'avais le push tool talk. Ah, le débile. Ok, bon bah ça c'est bon. Attends, je vais l'ajouter à mes contacts. Ah, téléphone. Voilà, parfait. Hop, nickel. Alors, je vais juste devoir éditer 2-3 trucs. Tac, tac, tac. Non, lui, c'est... chez nous encore. Quitter l'entreprise. Bon, désolé si comment dire, le il n'y a pas beaucoup de d'action. Tout, je ne suis qu'un simple viticole. Simple viticulteur. Je passe ma vie à récolter du vin. Hop. Il me reste encore 50. Ouais, non. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, ce que je vais voir d'abord, c'est nos stocks. Je vais regarder nos stocks tranquillement.
C'est un employé. Alors, je vais me garer là, comme ça. Parfait. Bah, je vais rapidement aller voir la cave. Ce qu'on a et ce qui manque. Hop, je passe tout de même le bonjour à ceux qui passent sur le stream. Bah, ça fait toujours plaisir. Alors, on a du jus de raisin, ça c'est bon. Du grand cru, du champagne. Ah bah non, je suis bête. Je suis allé faire de la vente. La vente aux grossistes, concitoyenne. Que je suis bête, que je suis bête. Hop là. Désolé si vous entendez encore mon ventilateur. J'en suis encore désolé, mais je ne vais pas vous mentir, je préfère avoir mon, enfin, entendre mon ventilateur pendant tout le live, fort ou pas, hein, mais l'entendre durant tout le live que de mourir de chaud pendant le live, quoi. Malheureusement, le problème étant que c'est quelque chose qui va plus me démoraliser à en faire d'autres que. Qu'à l'inverse, pardon. Je vais faire le tour, comme ça je sais que je vais pouvoir rejoindre la route. Non, t'es dans l'autre sens. Tout va bien. Voilà. Hop. Voilà, ça. On le passe comme ça. Et on est parti. Vendre du vin, beaucoup de vin. Pour les curieux qui se demandent quel est le nom du serveur est présentement Graal RP. Serveur du coup GTA 5 RP que je trouve très intéressant et que je me permets de vous le communiquer de biais par ce live et puis également en aussi le temps si un intéressé souhaiterait rejoindre le serveur, je lui enverrai l'adresse du Discord avec grand plaisir.
Hop. Donc là on est parti pour... Ah oui c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait que... je remplisse mes poches de raisin. Ouais, une notion que j'ai tendance encore à oublier. Mais... Faut faire avec. Hop. Et on est parti. Donc là, vous voyez que le raisin que j'ai récolté auparavant commence à baisser petit à petit et chaque grappe se transforme en une magnifique bouteille de notre bon et excellent vin. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire la promo de quelque chose avec ça. Voilà. Hop, je me permets de halt tab 5 petites minutes. Attends, de regarder 2-3 trucs. Et c'est bon. Ah oui, correct. Sur le point de production de vin rouge, on a une minime chance d'obtenir du grand cru. Et si il n'y a pas assez de grand cru que l'on peut faire avec plusieurs récoltes ici, on a la possibilité de directement en faire au vignoble. Dans le hangar que vous avez vu auparavant quand je suis allé prendre ma tenue d'entreprise, enfin de récolte quoi. Il y a la possibilité de fabriquer du grand cru avec tout bonnement des bouteilles de vin. Une vingtaine d'Europe. Je vais regarder ce qui est disponible dans les entreprises de la ville. Histoire que j'aille faire peut-être un petit tour. À part nous, bien sûr, le vignoble. Là, le Graal F1, je sais pas ce que c'est. Le Graal Beurre, le taxi, le gouvernement, Burgershot, Tequilala, l'autoripère, ça, l'autoripère, il faudrait que j'y fasse un petit tour. Je vais faire réparer ma voiture. Une voiture qui est un peu. Pardon, un peu cassée. Un peu beaucoup même. Oula, non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, pause. Voilà, merci James. Voilà, j'ai moi-même essayé de goûter mon propre vin en service, bien sûr. C'est bien sûr que c'est légal. Non, je plaisante. Voilà. Est-ce que ça va bien sinon sur pardon, sur le chat? Dites-moi tout.
Un nouveau grand cru. On en a combien? On en a 3 grands crus sur 100 bouteilles, 100 grappes de raisin, pardon. Ben, c'est parfait tout ça. Qui c'était de la chance, on aura une, deux, voire peut-être 3 bouteilles de grands crus supplémentaires. Ça peut se promettre pas mal. Super ambiance. Oula, pardon. Excusez-moi, c'est la fatigue. J'ai bossé là durant la journée. Je suis un peu crevé, je vous avouerai. Je n'ai plus de grappes de raisin. Du coup, je vais aller mettre mes 96 bouteilles de vin dans le coffre, plus mes 4 nouvelles bouteilles de Grand Cru. Et je m'en vais de ce pas à la vente grossiste des bouteilles de vin du vignoble. Ce qui est dommage, c'est que chez les grossistes, pardon. Chez les grossistes, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que ces derniers ne prennent que des bouteilles de vin classiques. Et sur ce fait, on comprend pas. Pardon, je me excuse à nouveau. Donc sur ce fait, je ne comprends pas. Mais avec un peu plus de recul, ayant vu que nos bouteilles allaient en direction de Mexico City, j'ai peut-être une idée. Sur la question qui me trottine depuis un petit moment de pourquoi que le vin rouge et pas le champagne. C'est très bon pourtant aussi le champagne. Pardon, le champagne et le grand cru. C'est excellent. Sur ce fait, c'est bien dommage. J'y pense. Faudrait que je fasse un petit tour avant de retourner au vignoble pour partir en tête piquée vers l'auto qui perce. Faudrait que je passe au concessionnaire. Il y a peut-être une voiture qui pourrait m'intéresser et je me tâte à essayer de me la prendre, pardon. Ouais, désolé, là je vais probablement un peu laguer. C'est dans un quartier de la ville. Où je lag beaucoup trop, et ce pour une raison qui m'est totalement inconnue. Après, j'ai peut-être une idée derrière la tête, c'est probablement. Ah, putain, pardon, à cause des différents mappings qu'il y a en ville, enfin sur le serveur. Je pense que c'est ça aussi qui pose problème sur. Sur ce fait, je vais
Essayer avec 145 bouteilles. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Est-ce que j'ai assez pour 39 supplémentaires? Nickel. Donc, je vais me vendre tout ça. Et puis après, bah, je vais vendre ma deuxième fournée pour la faire repartir de nouveau. Pardon, pour repartir de nouveau vers, bah, comme je le souhaitais, le concessionnaire. Oh bon. Bon, encore une bonne fournée, pardon, de de 130 bouteilles. Une bonne fournée de 130 bouteilles de vin. Je crois que l'autre fournée, il va me rester peut-être entre 70 et 90 bouteilles. Donc je vends ça rapidement. Et puis comme ça après, voilà. Bon, on sera tranquille. Du coup, je demande toujours à ceux qui seraient potentiellement sur le chat, comment allez-vous? Je me répète encore, j'espère que vous allez bien. Pardon. Peut-être un petit tour Tequilala si c'est encore ouvert. Après de passer à l'auto repair, c'est pas bon. Histoire de me désaltérer un peu. Puis qui sait, peut-être pourrais-je me racheter mes propres bouteilles de vin. Plus de produits. Ah, ça je le sais l'ami. Ah non, j'ai pardon, j'ai 9 bouteilles. Ah, bah, la vente va être très rapide. Plus de produits. Et voilà, c'est fini. Après, j'ai toujours les bouteilles de grand cru, mais comme je vous l'ai dit également auparavant, on ne sait pas les vendre malheureusement aux concitoyens grossistes. Donc, je vais m'empresser d'aller faire un petit tour au concessionnaire, voir s'il y a peut-être un véhicule qui pourrait m'intéresser. Et je vais réfléchir à son probable achat.
Après, si j'en ai les fonds nécessaires, bien sûr. Cela va de soi. Faire le tour. Je vais faire un petit créneau, comme ça après je peux direct repartir dès que j'ai fini. Voilà. On est tout bon. Je vais juste récupérer mes bouteilles histoire de pas me les faire shipper. Dans la vie, on n'est jamais trop prudent, comme on dit. On va pas faire un tour, on va pas faire de tour dans les compacts. On va peut-être aller dans ceux-là, sauf les motos et les vans. Pardon, car je n'en ai pas l'utilité. Un peu cher celle-ci. Si j'allais dans les muscles, qu'est-ce que je peux trouver de sympa? Pour bon, pas tant cher que ça. La chino, ces deux chino là. La chino et la chino de luxe décapotable, elles sont pas mal, moi je trouve. Ah, celle-ci aussi elle est pas mal. Elle est moins chère en plus que les chinois. Il y a la clique qui est sympa. TV en non, Dominator, Dominator SP. Bon, ça serait plus pour faire du tuning et tout. Pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je vois quelqu'un tourner autour de mon truc. J'ai pas spécialement vu qu'on vienne shipper mon véhicule. Certes, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Mais on ne sait jamais. On n'est jamais trop. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Qu'est-ce qui est sympa du coup? Je regardais déjà. La Gun Cattle Fire, elle est pas mal. La Jux, un petit style. La Hermès aussi, ça fait vieux véhicule des années 50-60. J'aime bien. Oh, ce dos-là, non. On a. Ah, on a la Impaler. La Impaler, elle a l'air pas mal. Faut voir. Et la Impaler, ça non, pas la Picador. Pour ceux qui sont sur le chat, qui connaîtraient les véhicules de GTA, pardon, est-ce que vous auriez un véhicule à me conseiller? Un véhicule d'ailleurs que je peux, enfin, de préférence que je peux trouver pour pas cher, parce que j'ai pas beaucoup de. Enfin, avec mon argent à moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup de budget. Je
J'ai pas beaucoup de budget, par contre, je peux essayer de garder le nom du véhicule en tête pour pouvoir après, au futur, me l'acheter. Il y a la Tampa que j'aime beaucoup, c'est un véhicule que j'avais auparavant. Le Paragon R. Paragon, c'est dans quoi le Paragon R? Dis-moi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Salut, ok, ça va? Désolé. J'ai pas fait attention, excuse-moi. Donc, Paragon R. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que je sais, enfin, je connais le nom du véhicule. Dans les coupés. Laisse-moi vérifier ça. Exemplaire, felon, non, ce n'est pas là-dedans. C'est peut-être. Non, je pense pas que ce soit dans les compacts. Non. T'inquiète, t'inquiète. Je vais continuer de chercher, t'en fais pas. Paragon, paragon, paragon. Ah, y a l'XLS qui est pas mal pour faire un peu de tout terrain. Ça peut toujours être pratique. Paragon, paragon, paragon. Est-ce que tu es sûr que la Paragon R, c'est pas un véhicule un peu plutôt classique par hasard? Parce que, attends, ouh, on a une belle fricassée là. Bah, faut que je vienne vers la fin pour voir l'épée. Sultan, non. Paragon, c'est avant du coup. Ah, la Paragon R, trouvé. Ah oui, par contre, elle fait. Ah, elle est un petit peu chère. Elle est un peu chère, mon pote. Hein. Moi je t'ai dit, j'ai un petit budget moi. Quand je dis petit budget, c'est pas 30 000, hein. Non, bon, mon budget mon budget il est de maximum 3 000 $. Non, mais sinon elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal. Faudrait que je réfléchisse en réalité. Parce que je pense que. Ouais. Bah oui, avec 3K, c'est compliqué. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais puis. Après, tu sais, on a toujours le droit de rêver un peu. Tu vois. Donc. Parce que. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais. Je vais marquer sur un papier ou une connerie les noms des véhicules qui m'intéressent. Et puis, à la rigueur, ce que je ferai, c'est que bah, je me fixerai un objectif pour chacun d'entre eux. Du moins cher au plus cher. Et puis, bah, au fil du temps, si j'arrive à amasser de l'argent, bah, je verrai pour me le payer. Sinon, comment veux-tu, Oka, dis-moi. Est-ce que ta journée se passe bien? Enfin, ton. Excuse-moi, ton début de soirée. Hop. Excuse-moi, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Je suis pris de toutes parts. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bah, j'ai. Bah, je sais pas si t'étais là. Pardon. Un peu avant le live, j'ai dit que j'avais de mon côté bossé.
Pardon, j'avais un petit peu bossé dans la journée et que là je me sentais un peu crevé. Je vais pas te mentir. Donc ouais, ça va, ça va. Puis avec la chaleur dehors, j'essaie de survivre comme je peux. Bon, si ton côté ça va, moi ça me fait plaisir. C'est ce qui compte. Oh, 53 000. Oh, je décède. Je décède à l'aide. Coûte un peu beaucoup cher. Je joue depuis longtemps sur GTA RP. Ouais, ça fait depuis un petit moment que je fais du RP GTA. Ça doit faire peut-être 2 ans, voire peut-être 3. Ah, j'ai cru qu'on souhaitait me parler. Ouais, de 2 ans, voire peut-être 3. Et puis ça fait depuis un peu moins d'un mois que je suis sur ce serveur-ci. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais streamé ma. Ah! Il est bien. Le serveur. Ouais, le serveur, ça va, il est bien. Ils sont. Le staff est sympa et les joueurs sont cool. Moi, j'aime bien. Si ça t'intéresse de rejoindre le serveur. Ce serait avec bien évidemment grand plaisir que je te communiquerai. Pardon, excuse-moi. L'adresse IP du serveur Discord. Oh, ça coûte cher. Si, je disais. J'avais streamé ma première expérience RP sur l'un de mes premiers serveurs auquel j'ai abouti au plus l'un de mes personnages sur YouTube. Si ça t'intéresse, si tu regardes un peu plus bas, si tu es sur PC, tu peux voir la chaîne YouTube, les deux chaînes YouTube, ma principale et ma chaîne de rediffusion de live. Et sur celle de rediffusion de live, il y a une playlist avec du coup toutes les rediffusions de live de ce fameux personnage. Ok, super, merci, je verrai après. Pas de soucis, pas de soucis au cas. De toute façon, je ne pars pas de sitôt, tu me diras. Bon, je suis encore un peu de marche. Moi, je verrai plus tard. Du coup, tu comptes rester sur le live ou tu comptes pardon, tu comptes repartir, dis-moi. Peu importe, ça me dérange pas. Allez-y, passez. Très aimable avec ces gens et il ne répond pas. Oh là. Quoi cette génération? Ah, par contre, je pense pas que ce soit des plus normales de voir cette moto à gauche au milieu de la route. Je vais rester. D'accord, pas de soucis aucun. Et toi, dis-moi, Oka, est-ce que tu as de l'expérience, toi, en RPG GTA, dis-moi.
Puisque tu me poses la question, bah, il faut bien que je te la... Putain, oh, PNJ de merde. Donc je disais, il faut bien que je te la pose aussi. Hop, je peux passer. Ah, t'es un gros joueur de RP. Tu fais quoi comme RP? Tu fais sur du free access ou du waitlist majoritairement? Si tu es un gros joueur, j'imagine que tu dois être sur des serveurs waitlist. Ah, des serveurs free access. Ah bah c'est d'autant plus bénéfique pour toi si tu venais à vouloir rejoindre Graal RP puisque c'est un free access justement. Oula, tout. Ok, nice. Bah, qu'est-ce que t'as fait comme qu'est-ce que tu as déjà fait comme style de RP en termes de métier, je veux dire. Métier que ce soit du dans le légal ou l'illégal. Avoir quelques petits mal de tête, nous passons à côté du tequila là, et c'est toujours par ici que j'ai mal à la tête quand je passe. Donc je vais essayer de vite décamper d'ici. El Speedy, chef d'organisation, gouverneur. Oh putain, il a du vécu, il a du vécu le Oka. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai fait des petits jobs, enfin, sauf un seul de mes personnages où j'ai été vice-gouverneur. J'ai été vice-gouverneur avec un ami qui, bah, lui était du coup le gouverneur de ce serveur sur lequel nous avions joué. J'ai déjà été vice-gouverneur, j'ai été médecin, donc EMS. Putain! Casse les couilles, merde! Comme je disais, j'ai été vice-gouverneur, médecin, donc EMS. J'ai vigneron, en l'occurrence, parce que c'est. Ce personnage lequel je joue actuellement, c'est un personnage que j'ai déjà joué il y a longtemps sur un serveur avec pardon. Avec trois de mes amis qui jouent dans le RP, mes frères, enfin frères plus frères de cœur, demi-frères si tu préfères. En gros, des frères, mais pas de la même mère, quoi. Ok, bah sinon c'est cool, hein. Ah, tu as rejoint Graal aujourd'hui même? Tu as rejoint Graal aujourd'hui ou tu l'avais déjà fait auparavant? Dis-moi. Ah, ok. Bon, pas de soucis. Tout va bien. Bah, en tout cas, heureux que je t'ai fait que je te fasse découvrir un serveur sympa.
Ça fait plaisir. D'ailleurs, si ça t'intéresse de suivre les lives et les rediffusions, je t'invite vivement à te follow à la chaîne. Je sais, je force, mais j'ai besoin de followers pour être affilié Twitch. Du coup, je suis entre guillemets bien un peu obligé de forcer. Mais non, tu fais. Je plaisante. Tu fais comme tu veux, aucun. Libre à toi. Hop, alors du coup, je disais que j'allais au garage, à l'auto-repair, pour aller réparer, pardon, ma petite auto. Bien sympathique, c'est une Penumbra, je crois. Je sais plus du tout. C'est pas avec ça qu'on voit. Gestion véhicule. Ah non, pardon, c'est une. Taligator. Une Taligator, c'est un véhicule assez sympa. Puis voilà quoi. Hop, attends, je vais juste me mettre sur le côté pour te remercier. Ah non, je croyais que c'était Oka, excuse-moi. Merci Salers05 et Oka pour le follow. Merci, merci, ça fait plaisir. Ah, vous m'avez déstabilisé, messieurs. M'avait déstabilisé, j'étais sur la route. Là on a le pont, je vais peut-être aller un peu vite. J'espère que je vais pas crash. Le problème étant que c'est toujours un endroit où je crash souvent. Et ça m'embête. Donc bah merci Oka et j'ai encore oublié, pardon, Salaire, excuse-moi. Ok, ça a l'air pour votre follow. Bienvenue à la chaîne. J'espère que vous y plairez autant que de moi-même, je m'y plais. Merci, Oka. Pas très vite là. Les concitoyens là juste devant, on va faire hop, ni vu ni connu. Il y a une bonne partie illégale. Bah, sur ce fait, je ne le sais absolument pas. Je sais pas te le dire puisque bah, moi je fais pas d'illégal. Moi je t'ai dit, j'ai rejoint le serveur il y a moins d'un mois et j'ai débuté avec ce personnage-ci qui fait que du légal. Donc bah, si tu as des questions par rapport à l'illégal en ville, moi ce que je te conseillerais, ce serait d'aller discuter avec le gérant illégal sur le Discord. Une personne qui est dédiée entièrement à ça et qui pardon, qui saura t'aiguiller sur la question.
tu peux le contacter par le biais d'un ticket. Pas de soucis, ok, ça me fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, j'arrive à Palais-Tau Bay. Donc, qui dit Palais-Tau Bay, qui dit BCSO, qui dit Auto-Reaper, pas loin. Ouais, ça y est, je te le disais, ça commence. Je commence un peu à laguer. Je pense que sur le retour live, vous avez quelques petits lags, pardon. J'espère minime. Ah. Est-ce que j'ai planté? Telle est la question. Non, c'est bon. J'ai cru avoir planté, mais mon jeu a freeze. Après bon j'ai une excuse pour mes lags, j'ai pas un PC de compète, j'ai pas une bonne config. Hop. Voilà. Clac. Normalement ils doivent toujours être en service. Web, auto hypers, toujours en service. Eh bien, je vais attendre tranquillement là. Grosse arme. Et bah, je vais attendre. Je peux faire que ça sur le coup. J'espère qu'ils sont réellement là, qu'ils ne sont pas partis. Ça m'embêterait un petit peu. Je vous avouerai. Attends, je regarde juste un petit truc. Allez, pour 5 minutes. Pardon. Bon, je vais attendre peut-être les 5 minutes. Puis si au bout de 5 minutes ils sont pas là, tant pis, je referai marche en arrière au vignoble et puis voilà quoi.
Et dis-moi, Oka, si tu es toujours sur le live, est-ce que tu fais du stream, pardon, toi de ton côté? Dis-moi. J'ai entendu une porte. Je crois qu'il y a quelqu'un. Bah tiens, je crois reconnaître le véhicule de cette personne. Bonjour monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, ça va. Dites-moi, ce serait pourquoi? Alors, ce serait pour une petite réparation, car juste ici, il y a ma vitre que j'ai Oui. inconsciemment brisée. Et il faudrait voir à la replacer, si possible. On va aller regarder ça à l'intérieur. Parce que ce coup-ci, je suis double bien. Ouais, pardonne-moi, c'est ma faute. Merci bien. Je vais switcher. Ouais, je vous suis. Attendez, parce que... Oui, pas de soucis, prenez votre temps. Oh putain. Qu'y a-t-il? Ah, ça va. D'accord. Oui, vous souhaitez une custom avec? Non, non, du tout. C'était juste point de réparation Ok, et très bien. voilà. Votre numéro, s'il vous plaît. Ah, Ah c'est bon. bah vous venez de Ouais, me la c'est donner. tout bête. Vous venez de la donner tout de suite. Parfait. Hop. Je vous paie ça. Ça sera tout pour vous, monsieur? Ouais, ce sera tout pour moi. Très bien, bah je vous la ressors. Je vous remercie. Ça marche mieux ici, ouais. C'est une bonne soirée, monsieur. Ouais, vous de même. Merci. Au revoir. Et voilà, une bonne chose de faite. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais le déverrouiller. Déverrouille-toi. Sésame. Hop, bah je vais renvoyer. On va retourner au vignoble. Oh, pardon. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pardon. On pourrait aller se boire un verre au tequila. Mais j'hésite. J'hésite, j'hésite, je réfléchis parce que. Bah, le problème étant que je conduis. Et si je bouge, bah, je suis pénalement responsable de mes actes. Après, c'est vrai que ça pourrait être fun. Je suis fou. Pardon. Non. Non, je sais pas. Je réfléchis. Je suis le seul à avoir des flocons de neige autour de moi.
J'ai l'impression qu'il neige derrière ma voie... derrière ma voiture. Un cochon, sanglier, pardon. Ah, on rapproche du pont, je vais ralentir un peu. En tout cas, j'espère que pour ceux qui sont encore sur le chat, sur le live. Ah putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Après ce soir c'est... Je vais pas vous mentir, c'est un live que je fais à l'improviste. Car c'est absolument pas prévu que je live ce soir. De base je devais jouer... je devais jouer moi-même en RP hors live. Mais je me suis dit que ça pouvait, avec le temps que j'avais de disponible, ça pouvait coïncider et je pouvais du coup faire ce live tout de suite au lieu de devoir le faire beaucoup plus tard. Est-ce qu'on a une belle vue par contre? C'est magnifique. C'est pour ça que j'adore être dans le nord. Dans le nord, on a toujours de belles vues, sachant qu'on n'a pas les gros buildings, les chantiers et tout. Là, on a la verdure, la forêt. Ah, c'est de la verdure, vous me direz. Et on a un magnifique paysage. Magnifique paysage que je pourrais contempler autant de fois que j'ai le doigt sur la main. Puis sur ce fait, au final, en réalité, au vignoble, on n'est pas si mal placé. Puisque même au vignoble, on a une belle vue. Oula. Ok, ça va. Ouh, lag, ça fait mal. Hop. Ah bah tiens. Un de nos employés. Qui est-ce? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi, Ethan? Ça va. Tu passes une bonne soirée? Oui, applicable, je viens d'arriver. Je vais Ah! commencer à travailler là donc. Ouais, nickel. Ouais, j'étais justement juste avant de rentrer, j'étais. Pardon, j'étais parti travailler ici. Et puis après, Ouais. je suis reparti. Illico Presto à l'Auto Repairs pour réparer mon véhicule qui avait une vitre que j'avais malencontreusement brisée. D'accord. Bah, je pense que vous pouvez comprendre, des clés qui marchent pas, on s'énerve C'est ça, facilement non et mais puis voilà une vitre qui part quoi. ça va très vite. C'est ça, ça. Bon, moi J'ai je. su que les trois la fratrie avait quitté l'entreprise. Ouais, bah. C'est en contrepartie
un peu à cause de moi, parce que j'ai. Je sais pas si tu te souviens la dernière PEC que j'ai fait, les primes. Oui. Ouais, ils ont estimé que c'était pas assez haut, entre guillemets. D'accord, ok. Après, de mon côté, j'ai fait ça parce que on n'avait pas autant de budget que maintenant au vignoble, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Donc, un peu déçu de perdre 3 bons employés. Ouais, je vois C'est. que Jaden il m'a envoyé un message pour en prévenir, du coup. Bah, du coup, maintenant il bosse au tequila, là, j'ai vu hier soir. Ah ouais? Ok. Ah, ils se sont fait recruter en fait par le patron juste après qu'on leur ait donné leur fiche de licenciement pour leur départ. Ok, d'accord. Et bon, après, c'est normal, ils viennent de débuter, c'est normal que le salaire, Oui, il est pas totalement. fou non plus. Totalement. Et puis au final ça reste une expérience. Aussi, aussi. C'est pour c'est on apprend ses erreurs comme on dit. Bah ouais, c'est dommage que ça se partie, quoi. Bah du coup Mais bon, c'est comme ça. ouais. Bah du coup si tu connais du monde en vie qui cherche du travail, tu sais où appeler. Ouais, bah. En plus, il y a 2-3 jours, il y a une personne qui m'avait demandé. Mais je la revois plus. Il y a une personne qui m'avait demandé si vous recrutez justement. Mais j'ai oublié de prendre son numéro. Ah. Donc, c'est un peu dommage, mais ouais. Bah, c'était un ancien patron. Pareil, il avait créé une boîte avec son frère de fruits, apparemment. Pas trop compris. Ah. D'accord. Donc voilà, c'est un peu les nouvelles. Ok, Dans les bah caves, il faut. Il n'y a rien à remplir que tu as à vendre maintenant? non, J'ai pas regardé. dans les caves c'est bon. On C'est peut bon? stopper les mises en cave pour le moment. Maintenant, si on fait plus que des ventes grossistes. Ok. Et je me demandais parce que comme je descends en ville pour vendre, je peux admettons remonter avec des bouteilles en verre et puis les stocker dans la cave. Oui, bien sûr, tu peux. Et après, si Ok. tu veux refaire des bouteilles de champagne par-dessus avec, tu peux livrer à toi. Et puis du coup, oui, tu peux les mettre en cave. Ok, d'accord. Ouais, c'était pour savoir parce que la dernière fois j'en avais mis 50, bah je les ai repris après, mais Ouais, j'en j'ai avais vu ça. stocké 50. Ok. Ok, Ouais, d'accord, bon, c'est bon savoir. nickel. Donc je Bah, commence. tu peux faire ça. Tu peux les stocker dans la cave et puis. Le temps 2, tu Ouais, comme ça, referas. ça m'évite de remonter à vide, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, soit toi, soit moi ou un autre employé fera les bouteilles de champagne avec. Ouais, voilà. Ok, bon, je ferai ça alors. Bah nickel. Bah je vais pas te retenir plus longtemps. Non, je vais travailler un peu. Je veux dire, en plus, j'étais pas là, donc je vais rattraper mon retard. Bah, t'inquiète, t'inquiète. Bon, allez, passe une bonne soirée et un bon Et travail. toi aussi. Salut, salut! C'est un bon employé. Ça, c'est cool, ça. Employé qui est sympathique avec son patron, sympathique même avec tout le monde. Ça c'est un bon employé. Bon. Quelle heure? Bon, 21h54. Bon, je commence à fatiguer un peu. Je pense que je vais pas aller au tequila là finalement. Je pense que je vais aller dormir. Je suis fatigax. Et je pense que ce qui serait le plus intéressant, ce serait
Parce que j'ai, comme cité précédemment, deux potes qui jouent mes frères, mes demi-frères en RP. Qui l'un d'eux est également streamer. Et je pense qu'il serait plus intéressant de voir à streamer le même jour. Comme ça, il peut y avoir plusieurs points de vue. Enfin, deux en l'occurrence. Deux points de vue sur. En tant que patron, en tout cas. Et je pense que ça peut toujours être intéressant. Donc, sur ce, comment est-ce que je machine moi? Oui. Je vais mettre. Fin. Voilà. Donc. Bah en tout cas, j'espère que le live vous aura plu à tous et à toutes. Je remercie Salers05 et Oka, Oka O, de s'être follow à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Je suis très content de cette soirée. J'en suis très satisfait. Et puis, bah, je vais vous laisser. Sur un fond de musique, mais pas que. Je vais vous laisser sur un fond de musique, mais pas que, pas que. Je vais également vous raid, bien sûr. Alors, on ne brise pas la tradition, comme on dit. Également vous raid. Tais-toi, Funny. Alors, chez qui je peux vous raid? Quelqu'un de sympathique. Je peux vous raid, je peux vous raid. Chez. Je vais vous raid. Je prépare ma commande. Je vais vous raid chez. Quinia. Quinia qui est. Quelqu'un que je suis. Auquel j'aime bien son contenu. Et bah, j'espère que de votre côté vous aimeriez également son contenu autant que moi je l'aime bien. Ok, c'est bon, je me suis pas trompé. Du coup, je vous laisse sur fond de musique et je vais vous raid chez Quinia. Et on se retrouve pour le prochain live qui sera, je pense, très prochainement. Allez. Salut tout le monde, c'était Funny. À la prochaine. Salut!